Donc je reviens, le 14 juillet, une petite poignée de gens se retrouve sur le col de Tarn et décide de créer, dans les semaines ou mois à venir, dès la rentrée, un collectif avec toutes les personnes, avec toutes les associations, avec tous les syndicats et tous les partis politiques qui voudront bien le rejoindre. C'est un petit peu cet appel-là qui a été lancé et qui nous permet aujourd'hui, avec le collectif 06, le Solidarité Migrants, qui, avec le collectif Tous Migrants 0405 et le collectif Tous Migrants 73, manifeste le long de cette frontière. Donc, merci beaucoup les organisateurs qui sont signés à cette manifestation. Que nous, on en venait à soutien avec nos camarades, les syndicats, les partis politiques, les associations. Le journal d'aujourd'hui, c'était très important pour nous. Pourquoi? Parce que le journal d'aujourd'hui, ça fait deux choses à la fois. La journée de 18, le journal international de pour l'immigration, donc c'est dans le monde entier. Donc qu'on a dédié aujourd'hui pour soutenir nos camarades qui sont à la frontière aujourd'hui, et nous sommes là aujourd'hui pour nous soutenir, pour faire passer un message. C'est comme ça qu'on va arriver à faire avancer la lutte. Et nous, en 2012, nous, on a traversé cette frontière et pour faire une seule message de la liberté de circulation, d'installation, qui fait faire partie de la lutte. C'est ça qui fait libérer le monde aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train d'apprendre tous les jours, il y a des sans-papiers, Méditerranée, à Sahara, partout, à Médini, et tous les jours, il y a des sans-papiers qui perdent la vie. Et c'est recommandé, il faut qu'on se bat, nous les jours, on a fait un appel à tout le monde, qu'on s'est donné la main à nous tous, parce qu'aujourd'hui, c'est nous qui prenons le pot cassé, parce que les capitaux, le gouvernement, le président de la République, les députés, ils ont la liberté de circulation des nations, et nous, on n'en a pas. Et c'est recommandé, nous sommes pour ça, il faut qu'on se bat. Pour nous aussi, on fait partie des citoyens du monde. Merci beaucoup. La lutte continue. Merci. Thank you.
Justice nulle part, frontière partout. Justice nulle part, frontière partout. Justice nulle part. Merci pour eux. D'abord, je vais m'adresser à la police. Je vois beaucoup de gens derrière ces barrières, mais toute cette police ne suffira pas à ce que les migrants arrivent ici. Amenez vos avions, amenez vos tanks, amenez n'importe quoi, on viendra quand même. Vous êtes venus dans nos pays avec des armes. Nous, on est venus ici sans aucune arme. On est venus ici pour nos droits et pour récupérer notre dû. Il y a une seule raison qui justifie qu'on rentre pas, c'est de se rendre compte que tous les mots dont vous vous gargarisez en permanence, votre liberté, votre égalité et votre fraternité, c'est zéro. Je suis pas venu en France en mendiant pour qu'on ait pitié de moi et qu'on me donne un RSA. Je suis venu ici pour avoir mes droits et pour être considéré comme n'importe qui. Que la police soit contente, qu'elle soit fâchée, qu'elle soit timide, qu'elle soit ce qu'elle veut, quoi qu'il arrive, je resterai ici. Dernière chose, merci à toutes les personnes qui sont ici, qui sont solidaires des migrants, des exilés. Mais une chose très importante, jamais aucun merci aux institutions françaises, à l'État et à la police. Merci, merci. Oui.
On a traversé la mer, souffert dans le désert. On a subi l'inimaginable avant d'arriver en Europe, et après cet inimaginable, on a quand même choisi d'être en France. Et quand je suis arrivé en France, j'ai dû traverser la montagne. Et en traversant la montagne, j'ai croisé la route de la police qui m'a cassé le nez, le bras, et qui jusqu'à maintenant est responsable de troubles psychologiques dont je souffre. On m'a pris mes empreintes de force en Italie. Je ne savais pas que le règlement de Dublin existait et on m'a rien expliqué sur mes droits ou sur la loi. On m'a pris mes empreintes en utilisant de l'électricité. On a vécu de la part de la police française le pire de ce qu'on avait vécu aux frontières. Et après tout cela, on risque toujours d'être de nouveau déporté en Italie du fait du règlement de Dublin, alors qu'on nous a pris nos empreintes de force en Italie. Et donc c'est pour ça que nous exigeons des autorités françaises qu'elles nous considèrent comme des êtres humains et qu'elles arrêtent ces règlements-là au nom de tout ce qu'on a pu subir sur notre route pour arriver ici. Merci à vous. Bravo. Bon, de toute façon, quelques mots. Merci René de nous donner la parole. Donc moi, je parle évidemment au nom du nouveau parti anticapitaliste. Donc on est fiers d'être là. Je dis on parce qu'on est quand même pas mal de militantes et de militants ici. On est fiers d'y participer, mais aussi fiers d'avoir aidé à ce que cette manifestation ait lieu. Des camarades sont venus aider à ce qu'il y ait des bus qui partent de Paris, de Grenoble, de Lyon, de Montpellier, de Perpignan, de Chambéry, de Avignon, enfin j'en oublie certainement, de Rouen. Il y a pas mal de villes qui sont là. D'être le plus nombreux possible pour faire entendre la voix complètement à l'opposé de ce qu'on entend quotidiennement. Parce que dans ce monde de plus en plus réactionnaire, où on nous explique qu'on est mieux protégé derrière nos frontières, nous on a envie d'affirmer l'inverse. Donc évidemment, la solidarité pleine entière envers les migrantes et les migrants, envers l'ensemble des réfugiés. Donc on pense que nous, l'accueil, c'est un minimum humanitaire aujourd'hui qui a largement les moyens d'accueillir tout le monde en France et dans l'Union Européenne. Donc ça, c'est un peu le minimum. Mais au-delà de ça, on revendique évidemment une solution politique. Et la seule qui est viable aujourd'hui, c'est l'ouverture des frontières, c'est la liberté d'installation. Et d'installation. Pour nous, c'est fondamental, c'est la seule réponse politique aujourd'hui à ce monde pourri qui veut diviser les peuples. Donc voilà, on tient à revendiquer ça. Et puis j'oubliais. Bravo! Bon voilà, donc on est là pour ça et je pense que il y en a d'autres qui vont en parler après. Oui. Et merci donc à René. Ah oui, parce qu'on est en solidarité avec les migrants, mais aussi un petit mot quand même à ces militants qui aident les migrants et qui sont emmerdés par la justice. Moi, j'en vois à côté. Il y a Cédric et vous dans la région. Mais combien aujourd'hui de militants ou Amnesty International ou dans d'autres associations sont aujourd'hui confrontés à la justice parce qu'ils aident les migrants, parce qu'ils les transportent, parce qu'ils les logent, parce qu'ils les nourrissent. Donc évidemment que le combat de solidarité envers les migrants, c'est aussi le soutien à tous ceux qui sont aujourd'hui victimes de la répression du gouvernement actuel comme des précédents. Et on sait que ça ne sera pas fini de ce côté-là. Donc il y aura des rendez-vous dans les semaines qui viennent de soutien aux militants et d'autres rendez-vous de soutien à l'ensemble des migrants. Donc cette manifestation d'aujourd'hui, elle peut être utile à ça, à construire la suite. On sait qu'il y aura d'autres rendez-vous, qu'on se retrouvera en espérant d'être le plus nombreux possible les prochaines fois. Ouais.